Bonjour, enfin bonsoir, enfin c'est pas sûr. Allez, générique. Les vacances sont terminées pour certains, et je me demande toujours pourquoi en vacances on se prend pour des grands sportifs. Faut arrêter. C'est vrai, on fait des sports qu'on ne fait pas du tout l'année, et que parce qu'il y a du soleil, parce qu'il fait beau, parce qu'il y a des montagnes, parce qu'il y a la mer. Qu'est-ce qui nous pousse en fait à faire des sports de l'extrême? Pour faire comme les vidéos qui nous impressionnent. Quand on fait des sports extrêmes, ça va. Quand on sait faire, quand on est professionnel, quand on est jeune, quand on est sportif. Qu'est-ce qui se passe dans nos têtes pour croire qu'en vacances, on devient des athlètes? C'est bizarre comme comportement. Et on le fait tous. Et il y en a d'autres, quand ils le tentent, c'est moins beau. C'est plus drôle. Dans quelques instants, on va se préparer pour tenter un sport de l'extrême, un sport dangereux, ici, à l'île Maurice. Je vous en dis pas plus. Regardez d'abord une compile de ceux qui savent faire. C'est impressionnant. Et juste après, je vais mettre ma vie en danger pour une vidéo, pour récupérer une cinquantaine de vues, un peu plus, s'il vous plaît. J'ai très peur. À tout de suite. Vous avez remarqué, quand on regarde ce genre d'image, on a deux comportements complètement différents, selon si on est tout seul ou si on est avec du monde. Quand on est tout seul, on se dit « Waouh, c'est beau ! Waouh, ils sont forts ! Waouh, c'est impressionnant ! Waouh !» Enfin, beaucoup de « waouh ! Waouh, waouh, waouh !» Et puis on va regarder les mêmes images avec des amis, des gens qu'on connaît, et puis ça sera différent. On aura un comportement où on a l'impression de pouvoir faire la même chose. On dira plutôt « Ah ouais, mais ça, ça je sais faire. Bah ouais, mais ça j'ai déjà fait. Ça !» Quand tu veux, je le fais. Ouais, quand tu veux, ouais. Regardons une compilation de tous ceux qu'on dit « Ouais, quand tu veux, regarde, je le fais. » Ça rend pas pareil.
Allez, avant de se lancer dans le sport peut-être le plus dangereux, on va s'échauffer quand même, parce que les muscles, tout ça, là c'est du muscle, là c'est du ventre. On va soulever une pierre. Allez. Je l'ai. Ouais, vous croyez quoi? Je vais soulever celle-là? Vous êtes fous quoi? Allez, on continue l'échauffement. Des pompes? Allez, c'est parti pour une série de 100 pompes. Oui, 100 pompes. Allez, on y va. Fatigant comme ça. Et maintenant, une série d'abdos. Abdos, c'est là, hein, pour ceux qui... Et ici, en dessous le gras, ok? Ils sont cachés. Moi, je suis chaud, je suis prêt à y aller. C'est parti pour un sport extrêmement dangereux. Le sport de tous les dangers. On se prépare. Les risques, on est prêt à partir. Un sport jamais vu sur YouTube, impossible. Sport de l'extrême, c'est parti, souhaitez-moi bonne chance. Je mets en route le moteur, vous entendez? Vous pensez d'aller sauter d'une falaise? Fou quoi. C'est la chaîne, c'est pas sûr, vous attendez à quoi? Eh, hey, c'est écrit partout qu'il y a du courant, c'est très dangereux ce que je fais. Je ne suis pas sûr de revenir. Je peux finir dans le pôle sud, dans les icebergs. Je prends des risques pour vous. Allez. Et en plus, vous pédalez. J'ai bien fait de m'échauffer. Je vous ai bien eu. Allez, fonce. Par contre, je ne vois pas à quoi sert le gilet sauvetage. Je pense que j'ai pied quand même, hein, entre nous. Eh, il y a au moins... Il y a au moins 75 cm d'eau là. Si c'est pas de l'extrême ça. Cette vidéo est maintenant terminée, merci d'avoir suivi. Si elle vous a plu, attendez, on va le faire autrement. Musique spéciale. C'est pas sûr. Les abonnés ont décidé de partager cette vidéo et de mettre un pouce bleu. Leur sentence est sans appel. Leur décision est irrévocable. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et ça, c'est sûr. Putain, j'ai fait mis du sable dans les yeux. Quel con. On va faire un clap. Bouge pas. Merde.